Je m'appelle Evan Grassin, je suis volontaire au SNU de Verdun. Et la levée des couleurs consiste à réunir tous les volontaires du SNU par section. On est tous regroupés au milieu de la cour et le directeur de l'établissement montre les couleurs. Donc après la levée des couleurs, on chante la Marseillaise. Et on a le droit à un discours du chef d'établissement. Au regard de ce que je peux voir et de ce que j'ai vécu l'année dernière et cette année en côtoyant les jeunes que nous accueillons, c'est que je pense que ces rituels sont bien accueillis. Et sont partagés et, j'ai envie de dire, même portés et valorisés par l'ensemble des jeunes qui sont accueillis au cours de ce séjour. Donc pour les uniformes, on est arrivé dans le lycée en civil. Des personnes nous ont distribué deux pantalons, deux t-shirts, un short et tout ce qui peut nous servir pendant le séjour. La tenue du SNU, elle est confortable. Je ne me sens pas du tout observé parce que tout le monde porte le même uniforme que moi. On est tous pareils. L'intérêt de choisir des uniformes, ça permet de lisser les éventuelles différences sociales, notamment à travers des tenues vestimentaires avec des marques qui peuvent socialement renvoyer à des origines diverses, on va dire. Voilà. Et c'est aussi pour moi le renforcement du sentiment d'appartenance à une même communauté. Pour le conseil de maisonnée, on est tous réunis autour d'une table et on résume ce qu'on a fait pendant toute la journée. Donc on fait des tours de table, chacun parle à un pour résumer sa journée, si ça leur a plu ou pas plu. Moi je trouve ça intéressant parce que tout le monde peut donner son avis et on se sent pas jugé. Super, merci.